Bonjour à toutes et à tous, c'est Steph de Et ta sœur. Et moi c'est Julien de Muito Bon Productions. On va vous raconter l'histoire des entretiens RH. Ça a commencé avec cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 38 ans. Je vais bien une petite fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que je partais de zéro. Enfin, zéro compétence, zéro charisme, mais beaucoup de motivation. D'accord. En regardant dans la... Dans l'objectif. J'étais vraiment nulle. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Et tu viens d'où ? De La Réunion. Là, je peux la refaire. Heureusement, grâce au conseil de Muito Bon. Dis, et ta sœur ? Et ta sœur. Je me suis entraînée, je me suis détendue et on y est arrivé. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 38 ans et je suis la fondatrice de Et ta sœur. Lors de ma carrière dans les ressources humaines, j'avais réalisé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens. Et j'avais très envie d'aller interroger des personnes qui m'inspiraient. Alors on s'est dit qu'on pourrait reprendre le format de la vidéo de présentation et ta sœur et le décliner pour en faire des entretiens. Bref, j'ai été chercher des personnes qui nous inspiraient. Et les entretiens RH sont nés. Nous sommes ravis de partager avec vous notre best-of des entretiens RH. Clap. Dès que je suis prêt. Attends, je suis pas prêt. Allez. Je trouve ça très drôle le clap. On re-règle la caméra. On se remet à niveau et on est bon. Le son est bon, le micro est bon, pas de faux contact, on est bon. Ah ! Pardon. Tu peux ? Oh, encore une fois ! Je suis désolée. C'est la flanelle. Je suis sûr que c'est la flanelle. C'est ça ? Ouais, c'est... Ça me fait un vieux. C'est la matière. Je t'appelle chat. Ok, bonsoir, bonsoir. 1, 2, 1, 2. Oui, comme ça, là, ici, ça va. Oui, il y a une caméra derrière. En fait. La taille de ton câble aussi appelle à une blague, sous peu. Si je crie fort dans ton oreille gauche, je pense que le boîtier tombe. Salut, et ta sœur. Ah ouais, je t'ai dit, ça va être plus fort, mon gars. Je suis Sarah Mang... Oh, ouais. Ok, ça commence bien. Alors, ben... Pardon. Attends, tu fais chier. Visualise. Tu fais chier, fenouille. Ah, ta mère la p***. Pardon, là, c'est ça mon syndrome de la Tourette. Merde. Première fois, vous avez de la chance. Bah, normalement, ça arrive dans les 15, dans les 3 premières minutes. On la refait. Et regardez là. Il a vu ça, il a vu. Il est noir, hein. Ça, non. Dommage, il s'est passé quelque chose là, Mathieu. T'avais l'air malin pour une fois. Et là, je sais plus quoi dire, donc moi, je crois qu'on va la refaire. J'étais bien parti, pareil. Dommage. Je leur dirais de pas trop regarder leur téléphone. Oser, ça vaut pour absolument tous les choix qu'on fait dans la vie. Faut savoir s'écouter en fait. Il y a un grand travail de bienveillance envers soi-même. Foncer, faut oser. On n'a qu'une vie. Mon papa m'a toujours dit qu'il ne tente rien à rien. On tente, au pire ça fonctionne pas, c'est pas dramatique en soi. Mais on tente. Le message il est un peu bateau, mais il faut se planter, je le répète. Plante-toi. Commence par t'occuper de toi, par ta santé mentale et physique. Et une fois que toi c'est check, fais attention aux autres, dans ce sens-là. Faut jamais lâcher et pas écouter tout le monde. Ça va faire un peu Miss Monde, mais faut se faire confiance et faut y aller en fait. Pas avoir peur de se rater, c'est vraiment en faisant qu'on apprend. On me dit dans l'oreillette, la roue tourne, va tourner en boucle sur BFM toute la journée. Vas-y slot, mit mir. Deo. Donde. Donde estabas tu? I ain't never taken no dumb blind chance again. Dédicace, ta sœur. C'est quoi la mère d'un phoque? What the fuck? C'est un pain au chocolat et un croissant qui sont dans une vitrine de boulangerie. Et le pain au chocolat, il demande au croissant: hé, hey, croissant, pourquoi est-ce que t'as une forme de lune? Le croissant, il répond au pain au chocolat: et toi, je te demande pourquoi t'as de la merde au cul? Vous savez qu'est-ce qu'on met dans un mixeur jaune? Il devient rouge. Un petit poussin, mais bon, c'est pas... Elle est excellente. Je fais un petit cadeau à chaque invité. Et il découvre
j'ai pensé à celui-ci pour toi. Ah oui, oui, oui. Ah oui ? Ah ben bien sûr. Ah mais alors, bien sûr. Des chaussons qu'on vous... Je suis ravi, Thérèse. Je suis vraiment, je suis ravi. Bah, merci beaucoup. C'est du 44. Eh ben parfait, c'est ça en plus. Je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Ça fait plaisir. Merci, merci à vous. Muito obrigado. Big up. Merci. Soyons doux, soyez doux et vive la douceur. Merci à vous. Merci, super. C'est top. Ouais, nickel, merci. Et